décidé pour cette édition de faire un teaser sur les perles naturelles. Et au fond, c'est juste pour essayer de transmettre tout ce que nous, on ressent, nous les co-organisateurs, on ressent vis-à-vis des perles naturelles. Les perles naturelles, c'est vraiment une matière spéciale. C'est finalement la seule matière où il n'y a même pas une intervention humaine, une matière naturelle, où on n'a pas besoin de la tailler. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues dans les perles naturelles. Et justement, on a voulu faire un environnement qui soit accessible à des jeunes et des moins jeunes pour essayer un petit peu de s'intéresser. Et peut-être que cette exposition est le prémisse d'une exposition qui viendra peut-être plus tard et qui sera peut-être plus basée sur des pièces exceptionnelles. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas ici, puisque ici, on a des pièces qui ont été prêtées par de nombreux collectionneurs, la maison Chaumet par exemple. On a eu la participation de la maison Alfardan, ensuite il y a eu plein de collections privées, de certaines personnes que vous pouvez regarder. Des pièces vraiment qui valent la peine. C'est pas tant par leur valeur, il y a des pièces de très grande valeur, mais il y a aussi des pièces spéciales, surtout la manière d'utiliser les perles. Donc on va avoir une ceinture, enfin vous allez voir, il y a plein de choses parfois surprenantes qui sont faites à base de perles naturelles. On peut même voir de la poudre pour se farder les joues, de la poudre de perles cosmétique. Et ensuite on a essayé de montrer la manière avec laquelle les pêcheurs de perles anciennement aller à la recherche de cette réserve. Alors, donc ici, on a une ceinture qui a été réalisée par Mitro, donc le fondateur de Chaumet, et qui a été réalisée donc, pour l'impératrice Marie-Louise, qui était la deuxième femme de Napoléon. Donc ici, c'est une ceinture qui est réalisée autour de ce camée central. Donc c'est un camée d'époque hellénistique qui représente Apollon et sa mère. Donc ce mythe que Héra aurait créé un serpent pour poursuivre Leto, qui est la mère d'Apollon. Et Apollon va ensuite tuer ce serpent et donc par la même occasion libérer sa mère de cette menace perpétuelle. Cette ceinture est assez exceptionnelle parce qu'elle est entièrement articulée. Au bout, il y a des pompons qui bougent. Donc en fait, c'est fait pour vraiment bouger au rythme des pas de l'impératrice avec ses petites plaquettes d'or qui sont articulées. Sur les plaquettes, on peut distinguer les motifs impériaux, donc l'abeille, l'étoile, entourée de la couronne de laurier. Et on voit aussi ces éléments qui sont plus géométriques, qui sont inspirés, donc on dit des éléments gothiques, donc inspirés plutôt de la période médiévale. Cette ceinture est aussi assez exceptionnelle parce qu'elle est conservée dans son écran d'origine et on voit la signature de Mitro sur le devant de l'écran. On peut voir aussi un motif de palmette qui est caractéristique du travail de Mitro sous l'Empire puisqu'elle était donc le joaillier attitré de Napoléon et de l'impératrice. Peut-être derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc la lettre, en fait comme une sorte de facture
qu'il a remise au moment où il a livré la ceinture avec le prix indiqué au bas. Donc ici on a une broche Weber, donc style Art Nouveau, qui a été créée en 1900 et qui a été présentée à l'exposition universelle à Paris en 1900 et pour laquelle Weber a gagné le Grand Prix. Donc ici le travail particulier est fait avec des perles qui sont baroques, donc de forme irrégulière, et c'est cette irrégularité vraiment qui était au cœur du travail de Weber sur cette pièce-là et qui fait la beauté de ces fleurs, de ces chrysanthèmes. Ce qui est intéressant aussi avec cette broche, c'est qu'on peut donc, elle est modulable, donc on peut détacher certaines parties. On peut porter uniquement la fleur de droite en broche, pareil, ou la fleur de gauche aussi en broche, avec uniquement la fleur à la boutonnière. Ici, on a un collier appelé Bayadère, donc qui était d'inspiration, le style est d'inspiration indienne. En fait, c'est inspiré des danseuses hindoues qui avaient des colliers similaires avec des pompons. Celui-ci a été réalisé par Chaumet dans les années 1920. Et ce qui est assez particulier avec cette pièce, c'est que en fait, c'est le nombre de perles qui la composent. Donc, c'est des perles qui sont extrêmement fines et petites, qu'on appelle semences de perles. Et ici, ce collier est composé de 50 000 petites perles et il a été restauré cette année, donc en 2023. Ça a été une grosse restauration parce que le fil d'origine qui était en soie était endommagé. Et donc, il a fallu enlever toutes les perles, les nettoyer pour leur redonner leur orient et leur blancheur et les réenfiler sur un nouveau fil de soie, donc travail qui était extrêmement long, autour de 270 heures de travail au total pour restaurer donc, ce collier.